Bonjour à tous, aujourd'hui on a une chance incroyable, on a Aislo qui va nous montrer son gameplay. Il s'est fait un petit défi la semaine dernière de faire du super défi et d'essayer d'être le premier sur le tableau Royal API. Bon, pour ceux qui connaissent pas Royal API, c'est un site qui permet d'avoir des stats sur Clash Royale, et en l'occurrence il y a aussi un petit tableau qui dit « Hey, j'ai fait X victoires en super défi ». Et Aislo était largement devant, et aujourd'hui il va nous présenter un deck Golem d'Elixir, séisme archémagique. Bienvenue à toi Aislo. Bonjour, merci Naxiva de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est un deck que t'as beaucoup joué celui-là avec le séisme? Je l'ai joué pas mal en dernier, ouais. Ouais. Et du coup, c'est quoi toi ton avis sur séisme? Alors, c'est assez bon quand on affronte pas mal de bomb tower, mais ça peut quand même être compliqué quand on affronte du cimetière, mais parce que le séisme ne sert à rien contre le cimetière. Donc. Ouais, c'est clair, bah c'est du hard counter les splash yards, hein, non? J'ai gagné Goderef, mais j'ai gagné à 40 PV, donc... Ah, t'as quand même réussi à gagner Goderef sur le Splash Yard. Ouais, mais après, alors ça m'arrive, c'est assez étrange, c'est-à-dire que j'arrive à gagner des fois des bons joueurs, et quand les mauvais joueurs, bah je perds, en fait. Ils sont trop agressifs, les mauvais joueurs. Ouais, c'est ça, en fait, ça rend fou, hein. Il te met Baby Dragon truc, t'as rien. Ouais, First Play, il te met un Baby Dragon cimetière, c'est parti, hein. Non mais c'est vrai, je pense que c'est aussi la différence entre un bon joueur et un joueur moins bon, et c'est ça qui peut être différent, c'est qu'ils sont beaucoup plus agressifs et des fois bah ça passe quoi. Oui, alors après c'est vrai que c'est pas non plus le... Ce qui est étrange en fait, c'est que c'est pas un bon play, mais ça marche quand même. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est genre, tu sais, il y a 10% de chances que ça passe, 90% que ça passe pas, mais bon bah, ils vont le faire quand Oui, même. mais... Ah, sur le long terme, c'est éclaté, hein, mais... Mais sur une partie, ça peut faire la différence. Exactement. Mais le seul problème, c'est qu'aussi on peut croiser du lava. Parce que pour counter le graveyard, alors que c'est pas ouf de base, le lava. Enfin, le lava, il, dans cette méta, tu sais, là, avec le deck guérisseuse qui tourne beaucoup, là, c'est mauvais. Ouais. Mais en fait, le cimetière gagne ce deck, mais le lava perd, mais le lava gagne le graveyard, puis moi je gagne contre. C'est pire feuille ciseaux, hein. Ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf, hein. C'est vraiment un match-up royal, des fois. Ah ouais, c'est clair. J'ai les caractères. Ok, donc il joue poison. Ouais. Ça sent le golem d'élixir, ça. Non, non. Ah non, même pas. Ah, t'es pas comme ah, ça. Ah non, bah, non, non, je peux pas, non, non. Non, non, je peux pas, parce que regarde, le Dark Prince, il m'aurait détruit, hein. Ouais, mais je sais pas, quand le poison est off, des fois... Enfin, je sais pas, je trouve ça tellement fort en fin, le golem d'élixir, que c'est la seule win condition où ça me dérange pas quand ça part vite. Ouais, non, franchement, moi, je fais attention, quand même. Là, on est quand même parti sur un petit P.K., hein, mais... P.K., faut faire attention, hein, parce que tu peux te faire déborder. Là, par contre, le... Ouais, le... Ouais, ok, ça t'a pas... Ouais. Parce que même temps, je peux rien faire, hein. Je peux pas tornade la tour du roi, mais ça a mis beaucoup trop de dégâts dessus. Clairement. Ah, le P.K., c'est pas un match-up forcément évident. On peut quand même s'en sortir, mais... on peut se faire déborder. Ça dépend quel deck c'est. Eh bien, il est parti en P.K. justement. Ouais, bah là je suis obligé d'un peu défendre, hein. Je peux pas push avec un golem d'élixir. Non, non, tu vas pas push sur P.K. Hein. Non, non, clairement pas. Oui, non, non, puis à l'opposé aussi je peux faire. Il y a rien à faire d'autre. Je suis d'accord avec toi. Mais après, voilà, t'as 3 bombes, tout ça, tu peux retempo. C'est pas très gênant. Ouais. Parce qu'au final, elle va permettre quand même de détourner le bélier, donc tu vas pas prendre si cher que ça. Non, non, ça devrait le faire. Ah, puis il a mis un poison très yolo, bah là, ah bah voilà, là c'est le bus. Ah oui, il a plus poison, et ok, il a des dragons, mais il va devoir électro wizard dessus, mais ça lui coûtait cher. C'est vrai que séisme est pas incroyable non plus dans ce match-up. Bah en fait, le séisme, moi, il me servait quand on croise beaucoup de tours à bon. Alors peut-être que la méta SD a changé depuis 2 jours, hein, parce que j'ai joué beaucoup en SD, mais j'ai fait une mini-pause. Ouais. Bon, là, je vais laisser taper. Il va tourner, ouais. Et je vais mettre la Nightwitch. Je vais laisser tout le monde taper. Aïe, plus. Ouais, ça. Il faut 2 poisons, donc ça va. Ouais, bah là, je vais tenter un truc assez offensif. Ouais, mais je pense que tu peux te permettre, vu qu'il reste 7 secondes, il faut que tu ailles plus vite que ces poisons. Ça ouais. Se tente. Ah, ah, non, ah non, 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 ah, non. Une pièce à droite. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah attendez, je vais la mettre dans l'axe. Je vais la remettre dans l'axe. Non. Oh non, non, mais non, il se ressortit. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah bah, t'as gagné. Allez.
Ça, T'es comme moi, tu regardais que à gauche ou pas? Je voyais que la Netflix tapait, mais j'avais pas vu les HP par contre. En fait, c'est-à-dire que des fois ça arrive, genre on regarde ce qui se passe beaucoup à gauche, donc on est quand même focus là-dessus. Parce que j'étais focus un peu sur est-ce que je m'inscris ou pas. Ouais, moi aussi, ouais. Et du coup, on voit que ça tape à gauche, mais j'avais pas vu les HP, non, non, j'ai pas vu que ça tapait, enfin, j'ai pas vu que ça allait finir, quoi. Ouais, mais Donc, c'est comme moi, ouais, j'étais en mode, je regarde si ça passe à 183, savoir si ça vaut le coup que tu séismes. Et je. Bah. Ok, bah, GG. Ouais, ouais. tant mieux, tant mieux. Ah ouais, mais j'ai complètement raté l'archer, mais en même temps, il faut dire que là, je suis pas le mec le plus réveillé du monde. Non, et puis pour ta défense, PK, effectivement, c'était décalé sur le côté avec le golem d'élixir, donc. Ouais, là c'est ouais là je l'avais pas pré-shot ça, tu vois que ça a bougé. J'ai mon eye twitch first play quand même ça envoie direct hein. Ah, bah, ça a pas le temps, Virgile il a pas le temps. Il est venu pour gagner, Ouais. Virgile. J'avoue. Non, mais ouais j'avoue moi d'habitude je l'en ouais on va jouer pareil hein, j'ai rien d'autre à faire. Mais la plupart du temps c'est vrai que moi je balance plus le Magic Archer en premier que Que le Night le Twitch? Ouais, moi aussi, ouais. Non, parce que le Magic Quartier, puis en... mais par contre, c'est vrai que le Magic Quartier, quand tu balances en premier, c'est souvent poison ou truc. Il lui arrive souvent des mésaventures. Ouais, il arrive souvent un sort. Après, bon, au moins ça te permet de scouter le sort en face et tu prends que 200 dégâts, c'est pas non plus. Oui, non, ça va, ça va. Ah, bah un petit golem d'élixir en face, hein. Poison. Par contre, Là, c'est match-up sympa ça aussi. Ouais, je suis obligé de faire ça parce que bah, j'ai rien dans la main et il faut que je save Ça up. va être chaud, hein. Ça va vraiment être compliqué. Hein. Ouais, on va voir. Ce deck-là, ouais. Alors, est-ce qu'il a la nouvelle carte du coup? Parce que, en fait, il y a trop de variantes des fois. C'est Ouais, tu insupportable. sais pas exactement, je suis d'accord avec toi. Je vais Ok, checker. voilà. Donc, comme ça, il va pas me poison ça. Il va sûrement me le fu. Ouais, et Ok. joue guerrier, effectivement. Guérisseuse, ouais. Bah, Donc en c'est quoi théorie, le nom? c'est. Ouais, il joue C'est quoi tornade le nom en également. anglais de la Et guérisseuse? bûche. Ok, ouais, je pense aussi. Excuse-moi, tu disais quoi? Je te demandais c'était quoi le nom en anglais de la guérisseuse? C'est Battle Healer. Ah ouais, ok. J'aurais pas parié là-dessus. Enfin, moi j'aurais pas dit guérisseuse armée non plus en français. Hein. Ça peut te rassurer. Hop. Ah, j'étais obligé d'essayer de pré-shot un peu le Magic Archer parce que sinon. C'est clair, c'est clair. Ok, 6. 7. Bah, Ok, il a fait un. Ouais. je vais partir du même côté du coup. En sachant qu'en plus, il vient d'envoyer la Ouais, healeuse. c'est ça, au moins, c'est ça. Elle va tomber parce qu'elle peut poser de gros problèmes dans le match-up, hein, donc tant mieux. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas facile. Mais le Hydrag. Ouais. On n'en parle pas beaucoup de lui, mais. Mais il est encore pire là-dessus. Bah ouais, surtout que tu joues séisme, hein, donc. Hop, C'est pas comme si tu jouais foudre. oui, je tente un double push. En sachant que par contre il va récupérer beaucoup d'élixirs si jamais ça meurt vite, mais non, Ouais, ça meurt ouais. pas, ça meurt pas trop vite, Ah bah elle c'est meurt pas mal. pas, non, elle meurt pas. Ah, la batte qui continue à la taper, regarde là-bas. Hein. J'avoue, tu mets pas les dégâts à droite. Hein. Pas suffisamment pour finir tout de suite, mais. Non, mais ça, en tout cas, c'est très bien. Ouf, l'arche magique. Ça, j'aime bien en tout cas. Trois coups, ouais. C'est très bien joué, hein, ton double pêche. Maintenant, faut défaire à gauche. Là, ça devrait passer, hein. Sais pas, elle va le soigner à mort. C'est bon, il est mort. Non, ça devrait Non, bien passer. joué, bien joué. Et là, dehors, regarde, je t'en remets un. Allez, pour le plaisir. Alors, lequel ira le plus vite? Il y en a qui Ouais. a tiré des par séisme ou pas? Ouais, j'ai Ah oui, t'as ramené le l'impression bébé que c'est dragon ça. pour que ton bébé dragon vienne combattre. Allez, Ah, gauche ou exactement. droite? Ah, droite. Ah, dommage. Bon, C'est après, trop j'ai juste. facile pour toi ce jeu, non? Non, ça va. Mais en plus, de toute façon, les courants ne me servent à rien. J'ai fini le. Tu sais, j'ai fini le pass Le royal et pass, puis j'ai ouais. fini l'or en plus, tu sais. Ah ouais, t'as même déjà fait les 10 000. Ah ouais, t'as vraiment tryhard, hein. Ouais, c'est vrai que ouais, j'ai pas mal joué. Ouais. Mais il faut vraiment le sniper parce que le lead drag peut être un énorme problème. Hein, ça peut. Ah, là. Waouh! Ok, cimetière et drague, qu'est-ce qui nous joue? Ouais, je vais essayer de tornade. Hein. Oh! Ah, gel. Mais ouais, Oh, mais gel il pour trois a. squelettes! Ouais, mais ça tue quand même un Nightwitch, hein, c'est Il pas ouf. a 3 d'élixir là.
Oui, c'est vrai que ça tue ta année Twitch, je suis d'accord avec toi. Ça le répète, ouais, puis mon Nigolem et tout, bref. Oh là là, les golems, ils... Ah, complet, ouais. Ah, ils ont tout raté, là. What the fuck? Ah, il joue Ok, bête, il joue Ilios de combat dans son cimetière. Ouais, trop bizarre. bon, ça peut potentiellement prendre l'aide. Ça va la prendre, ouais, ça va la prendre. Ouais, mais t'as vu, c'est passé à rien, c'est pour ça que j'ai dit potentiellement, tu vois. Je voulais pas m'avancer. Ok. Ça va, ça tient. Ouais, normalement ça passe. Oui. Hop. Ouais, d'autant plus que cimetière, même avec gel, ça reste dur sur 2 tours. Hein. Ouais, mais c'est-à-dire qu'en plus, tu peux tenter hein, de te préparer, parce que c'est quand même compliqué quand tu parles du vrai cimetière chevalier, qui tourne pas mal aussi. Quand il peut te poison, par exemple, le Magic Archer ou des trucs comme ça, bon là je défends pas. Non, tu laisses, hein. Tu mettras juste un fût. Voilà, c'est ça. Enfin, même pas au pire, je Ouais, l'envoie. ok, moi j'aurais mis Non, un non, fût. non, non, faut que je l'envoie, faut que je l'envoie. Je mets un baby dragon. Il n'y a même pas besoin de... Ouais. Oh, oh là là, cette violence. Et là, ce qu'on appelle bien sûr le skill, hein, voilà. Là, mais quel joueur, Islo? Ah, Joueur CRL ou pas? voilà, c'est ce qu'on appelle spam royal, les amis. Hop. Mais quel joueur, Islo? Incroyable. Aïe. Ouais, mais normalement, sur son profil, il a le deck cimetière classico. Ouais. Et là, il nous a sorti un. Ah, c'est peut-être un test deck, tu vois. Why not? Non, en vrai, le deck a potentiellement. Tu vois, il y a un truc à faire, tu vois. Mais Sais il faut pas. enlever une carte, tu vois. Pas Ouais, mais une. moi j'aurais pas mis la Ulysse de combat hein, quitte à jouer ça. Ouais, c'est ça. Ah, je sais pas si je le connais, lui, je me rappelle M'a plus. dit. Il y a des pseudos, tu sais, tu crois les. Tu sais, tu crois, tu te dis, oh, je l'ai déjà vu, pourtant pas Ouais. du tout. Bon, hop, je cycle, hein, de 45, j'envoie une petite carte si jamais l'adversaire a pas joué, tu On sait jamais. Toujours 2 coups de barbare. Donc, ok, guérisseuse, incroyable. Jamais vu cette C'est vrai. carte. Nouvelle carte du jeu, apparemment. Hydrague, on ne voit pas souvent non plus. Hein. Non, mais en même temps, moi j'aime bien l'Hydrak. J'aime bien cette carte, tu vois. Elle a pas été beaucoup utilisée avant. Mmh, Enfin, c'est vrai. ça me dérange pas de la voir, tu vois. Mais c'est vrai que ça reste une carte extrêmement embêtante si t'as rien pour. Mais par contre, si t'as quelque chose, c'est terrible. Hein. Oui, c'est clair. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est soit ça va faire une value monstrueuse, soit ça va se prendre des foudres et ça Ouais. servira à rien, Exactement. Bon, là par contre, mon adversaire il m'a donné énormément d'élixir et quoi. j'ai rien eu à Ouais. rajouter, tu Ouais, vois. t'es bien là. Clairement, t'es très très bien. Non, mais ça se voyait parce que tu sais, genre j'ai même pas eu besoin de mettre une tornade. Genre, Bah, c'est vrai que j'étais quand il a prêt. rajouté la sorcière la nuit, je me suis dit, ouh, c'est osé quand même. Genre. Il n'y a pas peur, quoi. Ouais, bon, là je vais essayer de tuer le Ouais, Hydrak le il est plus rapidement nickel ton arche possible. magique. Si tu tombes direct, t'es bien. Bon, son Ouais, poison est bah bien après. par contre, hein, il t'a fait un bon poison. Ah oui, non, mais ça c'était évident qu'il allait me mettre un poison des enfers. Mais en tout cas, bonne défense, hein. Ouais, très très clean hein, sa défense. Hein. Il a 5, donc peut-être qu'il est reparti en contre-pêche. Ouais, il Ok. envoie tout. Hein. Ouais, j'avoue, il l'a envoyé. Allez, la healeuse meurt. Voilà. Ouais, ça va. Quelle est bête. En plus, ta sorcière est encore là. Immortel. Exactement. Et là, nous, du coup, on repart en contre-push. Cette fois-ci, là, j'attaque. Là, j'envoie. Ouais, tu peux remettre un arche magique encore une fois, chercher Hydrague. Exactement. Puis là, mon archer magique ne meurt pas. Donc, de toute T'as façon, vu je comme m'en il tient fous. l'électro-dragon avec la Ah guérisseuse, c'est ouf, oui, hein. avec la healeuse, il est bon, hein. Oh là, c'est incroyable. Ah, c'est dommage. Moi Ouais, parce que je comprends pas comment il a raté en fait. non plus, je sais pas comment il l'a raté. Mais... Quel poison a été utilisé du coup? Ouais. Exactement. Et là, tout ce qu'on veut, c'est des petits coups d'arche magique sur la tour. Oh, non. Allez, tue-le. Ah non. Aïe. Ouais, il est mort plus tard du coup. Ok. Là, faut défendre là. Ouais, c'est ça. T'as porté de deux séismes. Petite
Tornade, parfait. Là, j'envoie le fût pour aller tuer le... Voilà, ouais, il faut. Ça. Faut le tomber, lui. En plus, tu reprends les drags, je sais pas si t'es voulu, mais c'était très bien joué. Ah, il est parti, il va connecter les drags. Ouf. Ok, s'il connecte un coup d'arche magique, il a porté de poison. Il a connecté un coup. Ouais, ah, c'est moi qui ai raté mon golem. Ah, faut que t'ailles vite, faut que tu séismes là dessus. Oh, t'as gagné. Non. Non, non, perdu. Ah, ouais, t'as perdu. J'ai fait nimp sur mon Nigolem, t'as vu, je lui ai mis un coup d'archer. Oui, j'ai vu, bah c'est ça qui a fait la différence. En même temps, je savais pas qu'il allait le mettre à cet endroit là. En fait, c'est le problème, tu sais, c'est comme Morton hier. Ouais, exactement, c'est pareil. Genre, il met la MG au bridge, tu vois, mais si le mec avait pas mis le bélier, c'était bon, tu vois. Enfin, c'est terrible en fait. C'est clair, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, je sais pas si j'ai failli la défense, je sais pas, mais ouais, t'as vu, les drags, il a été fort, mais honnêtement, je peux faire mieux. Il t'a mis très cher sur le positionnement du B-Dragon, il aurait peut-être dû être un peu plus haut ton B-Dragon défensif. Ouais, non, c'est le dernier push, tu sais, genre. Drag, il était en vie, ça se voit pas. Ouais, et puis il a rebondi bien 4 fois sur la tour, du coup. Ouais, je pense que ça joue un peu à ça. Après, sinon, c'était propre, hein, c'est pas joué à grand chose. En tout cas, merci beaucoup, hein, Aiso, pour ton gameplay de Oval. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, hein, évidemment. N'hésitez pas non plus à aller tester le deck. C'est un deck qui fonctionne très bien, hein, que ce soit avec Séisme ou avec autre chose, hein, suivant. Adapté en fonction de la méta, hein, c'est aussi également ce que Aiso vous disait, c'est que lui, il a mis Séisme parce qu'il croisait beaucoup de tours à bombe. Mais si vous arrivez dans une méta, ou alors s'il y a l'endroit où vous jouez, il y en a pas, il y a pas de truc. Faut pas forcément insister à jouer le deck exactement qui minait, faut pas hésiter à faire des petites variations de façon à ce que ça vous convienne mieux. Ce qui est super important également, c'est ben, de vous entraîner à l'arche magique, tous les positionnements, de savoir comment il va connecter, comment le poser. C'est pas très compliqué, mais il faut quand même un peu les apprendre et avoir le feeling dessus. Et c'est un deck qui fonctionne vraiment super bien et qui peut vous donner beaucoup de match-up. Moi, j'aurais pas dit mieux. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment, évidemment, à l'habituel. Je vous laisse indiquer ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou poser des questions si vous en avez simplement. Je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous.